Bonjour et bienvenue dans Omega Adventus Victory Lap. Je rappelle le but du jeu aujourd'hui et pour les quelques jours à venir, on doit remplir cette liste. Et pour l'instant, on est parti sur donc les Victory Lap. Il faut en faire 3 ou 3 plus 1, je sais plus. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça c'est le premier. Et donc, on commence comme ça avec Azazel qui tire de tous les côtés et on a Toxic Shock. C'est intéressant. Ça veut dire qu'on va franchement foncer les premiers étages sans trop de difficultés. Le jeu, ça va être de... On a le doigt aussi, on le voit pas, mais... Je crois... Non, on n'a pas le doigt. Ok, je dis de la merde. Le jeu, ça va être de pas perdre trop d'items. Pourquoi pas, c'est gratuit. On a Scatol, ça veut dire que les mouches sont toutes nos ennemis. Mais genre vraiment, elles deviennent bleues et... Et c'est nos ennemis. Voilà, ça se prête peut-être. Ah, il y a le score, il se casse la figure là-haut. C'est délirant. Oh, Black Candle, très bien. Voilà. Pas de deal with the devil au premier étage, même si c'est un victory lap. C'est le jeu. Ouch. C'est pas grave. Allez. Un boss. Un boss qu'on va normalement. Voilà. Très bien ça. Et on a Stompy. C'est. Qui marche pas. C'est bizarre. Je voulais voir si la machine à donation avait été débloquée ou pas, mais. Stompy qui marche pas. C'est curieux ça. Hop là. Écoutez, on va continuer à prendre des items. Faut bien. Mais on va essayer d'aller vite en fait. Très vite. En gros, choper les item rooms, bien. Non, ce compil marche toujours pas. Bon, tant pis. En gros, choper item room, peut-être magasin et boss quoi. Là, en voilà une. Très bien. En tout ça. C'est un peu bizarre les Victory Lab parce qu'on commence un peu bourré d'items en fait. Donc c'est bizarre. Bonjour, au revoir. Alors, écoutez, ça fait pas de mal. Oui, j'ai vu la pilule drop. Mais on vit très bien ça, hein. ça survit, hein. On fait pas encore assez de dégâts pour que Toxic Shock soit insta-kill. De tous les ennemis. Il y a des items, j'ai l'impression qu'on les avait déjà. C'est assez bizarre. Allez. Ah, la bulle qui change de taille là, c'est assez bizarre. Non mais j'aimerais bien que tu me donnes un peu de cool. De cool on a dit. Ok, alors désolé. Apparemment, je lui ai broyé la gueule. C'est pas grave. On s'en sort pas trop mal. Ça, c'est... Ouais. Allez, le boss maintenant. Oh, attendez. Est-ce que... Ouais, on a déjà 99 bombes. Donc, l'item qui nous donne potentiellement plus de bombes. C'est pas utile. Magasin. Quoi ça? Bien. On va quand même faire ça, mais... C'est parti. Et là, avec un peu de chance, on est dans la bonne direction. Ah, bordel. Il va nous la retenir jusqu'au bout, la salle du boss, ou... Oh.
Il y a plein de pilules qu'on n'a pas eues, c'est dingue. Là qu'on sait pas ce que c'est quoi. À moins que les pilules soient rosettes sur un Victory Lab, auquel cas je dis de merde. J'en sais rien, je les fais tellement peu souvent en fait. Voilà. Donc, bonus de dégâts. Deal garanti plus l'autre truc qui est sympa. On pourrait même essayer les Angel Room. Oh, je dis ça, mais tant qu'on a des cœurs rouges, on fera des. Pas déconner non plus. Voilà. Oh. Fantastique. Toi. On prend des cœurs complets de dégâts, je veux dire. Je savais pas que ça faisait ça les. Oh, c'est nul. Je savais pas que ça faisait ça les Victory Lab. Jamais fait attention. Bon, après, voilà. On va poncer le jeu à une vitesse assez phénoménale. J'aimerais bien une immunité aux explosions. Ça me ferait vraiment plaisir. Bordel! On a les cluster bombs, il faut pas oublier ça. Super! C'est très bien ça, euthanasie. Match! On a toujours les cluster bombs, pas gaffe. Vite en face. Hop. Allez, le boss, par ici, je suis sûr. Peut-être. Vous savez quoi, je suis joueur, on va jouer sur le PK. Survivor. D'accord. Ouais, tiens, pourquoi pas. Notre générateur de pilules devient un générateur de cartes. C'est plutôt sympa. Oh non, dommage. J'aurais bien pris machin, mais. J'avais pas envie d'aller marcher dans les bombes. Ça peut se comprendre. Oh. Nul. On retente un petit coup pour voir. Ouais, bon. À moins que. Non, c'est nul toujours. C'est deux fois la même. Deux fois de la merde. Parfait. Et parfait. Vous savez quoi? C'est cadeau. Mais. En fait, je suis un peu curieux de savoir si faire The Lamb en 20 minutes ici, ça compte pour. Comment ça s'appelle? Pour le secret de The Lamb en 20 minutes. Ok, ça c'est un bonus de dégâts il me semble. Et ça nous donne beaucoup or, mais on va garder ça quand même. Mais bon. Allons-y. Globalement, le générateur de pilules génère des cartes, et les cartes, il y en a des liens. Donc voilà, on garde ça. Oh, bon. Beaucoup or, mais avec Dunscap, c'est très bizarre. Ok. Un petit coup. Voilà. Ancien tricol. Ok. On va garder ça. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On va garder ces deux-là parce que Joker servira bien plus tard. Et The Sun, en fait, on a un. Pour l'afficher. Il faut qu'on utilise. Blank card plus Sun. J'ai marqué Blank card plus Sign, mais c'est Blank card plus Sun. Donc si jamais on devait tomber sur Blancard, ce serait l'occasion de faire un truc en plus. Je sais pas si ça marche dans les Victory Lab encore une fois. Mais bon. On peut essayer. Je veux dire, ça coûte pas grand chose ici. Au pire des cas, je perds une carte qui n'était pas strictement nécessaire de toute façon. C'est Herba qu'on va. On va quand même ramasser les bombes qui prennent. Qui reste. On va ramasser les bombes qui prennent parce que faut pas déconner. On va ensuite aller faire la salle se balle là. Super. Un autre Joker. Écoutez.
un droit de s'amuser un peu. Oh, une salle de challenge. Qui nous fait attendre. Ah ah. Magnifique. Ah. Bon, c'était une utilisation totalement merdique de cet item. Hein? Bah tiens. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est The Sun. Y'avait pas The Sun tout à l'heure? J'ai rêvé? Hein. Que ça, c'est tout pourri, ça va nous envoyer dans un. Dans un mauvais endroit. Vous savez quoi, Mega Blast? Mais on en a pas vraiment besoin. En fait. Ouais, en fait, ouais, non, c'est Blancard et Sun. Et pourquoi est-ce que j'ai confondu Sun et machin? Ah bah tiens, voilà. Mais non, ça l'a. Ça se débloque peut-être pas dans les. Là. Donc. On récupère ça, on récupère Joker, et on avance. Ouais, ce serait logique que les Victory Lab ne débloquent pas certains trucs parce que c'est super facile à faire en fait. Donc, voilà. Adversary. Ouais, bah j'ai la même. Ok. On va déjà te voir ça. Hein. On va prendre ça quand même. Sympa. Bon, 9 minutes 55 dans Death Tools. Pas mal. Bon, ok, on a commencé en mode New Game Plus, mais je peux pas le savoir. Ah. J'aurais peut-être pu garder quand même The Sun et Blancard, simplement pour avoir le plan de tous les étapes. Je n'y ai pas pensé à temps. Parce que là, j'avoue que Mega Blast. C'est pas si bien que ça quand on a un bon run en fait. Et là on a un run décent. Cette salle ne sera pas très utile. Déjà là on a un run où dans les salles les mobs. Ah bah maintenant ils marchent ton pitch. Oh, c'est bizarre. Bref, on a un run où dans les salles les mobs vont mourir instantanément. Donc Mega Blast. C'est rigolo parce qu'il est rare, il coûte cher et tout ça. Et en fait, bon. Pas très utile. Ah, c'est bien. Ah, c'est bon. Bah, allez, on va voir. Joker. On va prendre les deux parce que c'est deux trucs plutôt cool. Voilà. J'aimerais bien me débarrasser de mon cœur squelette. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Un truc mieux, peut-être. Le plan de l'étage. Bah du coup, ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure. Un autre item. Ça veut quoi, on va garder deux jokers. Ce sera très bien. Bon, le boss est soit en haut, soit tout à droite. J'espère qu'il est en haut. Ouh, bien. Au revoir le caca merdique. Tu veux la main? Voilà. C'est le truc qui est les ennemis qui se font frayer. Un peu chiant. Ok, donc pas d'Angel Room. Bizarre, on va garder ça quand même. Ça, bah on a vu. Boss Rush. Donc ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Pas de Tinted Rock. Est-ce qu'on fait Boss Rush? Le Tears Up peut-être à la limite. Allez. Voyons. Voilà. 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 Oui, j'étais pas trop inquiet sur le fait qu'on y arrivera facilement. Voilà.
C'est plaisant quand même, mais bon, c'est un peu passionnant. Ouais, voilà. Ça m'aide. Ils ont survécu. Un peu. Un tout petit. Ouais, je ressors pas Mega Blast parce qu'il y a probablement pas assez de vagues. Et on va passer du temps à attendre qu'ils finissent. Eh ouais, ben il en reste plus que ce que je pensais. Ça y est. On aurait peut-être pu cracher un dernier Mega Blast. Peu importe. Donc de la vie, du pognon qui ne sert à rien, des cœurs, un item dont on ne veut pas. Parfait. On va continuer. Hein. Alors, Utero ou Womb. Womb, Utero 1. On va pas faire les salles qui servent à rien autour de nous. On peut roar. Ah, il est sûrement en bas, on va le trouver très vite. Regardez-moi ça. Par là. Petit headrock. Là, ça remarche plus, Stompy. C'est très bizarre. On l'avait pas déjà, Runbag. Runbag. Je trouve ça bizarre des fois les victoires là. Ok, dagaz. Ça. Ouais. Bon, on perd les pièces, mais. Eh, hey, il y a peut-être un luck-up dans le tas. Ça vaut le coup d'aller voir. Il n'y avait pas. Bon. Le gars qui est radin de ses stats, quoi. Là, il y en a un par contre. Donc du coup, le boss n'était pas du tout par ici. Bien. Je ne suis pas déçu par ce constat. Allez. Allez. Et allez. Je ne suis pas déçu, mais j'espère qu'il est par ici. On a Mega Blast, on aurait peut-être pu s'en servir. Prochain étage, on y pensera. Peut-être. Hermit Justice. Ouais, on a 99 bombes en même temps. Donc ça ira. Voilà. Et le boss est là. Sérieusement, ça survit. Ça survit deux fois. C'est scandaleux. On va prendre ça. On va voir si c'est ça. Oh. Tu me déçois beaucoup, l'ange. Tu me déçois beaucoup. Hop. Et c'est un item de merde. Ça aurait pu être bien, hein. Mais non, non. C'est de la merde. Et on va même pas le prendre tellement c'est de la merde. Très déçu. Bon. Utero 2. Est-ce que ce niveau va commencer à nous opposer de la résistance? Je pense pas, hein. C'est pas trop le concept. Pas de lock-up, tant pis, on y va. On est à 99 partout, faut pas que je me fasse chier avec ça. Oh, c'est jaune. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle clignote la brimstone? Je ne sais pas. Peu importe. Je sais pas trop où je vais, j'ai pas regardé la carte avant donc. Un peu à l'impro. Y'a un sac plus bas et puis y'aura des choses cool dedans. Ça, on s'en fout. Ça. On a le seul familier qu'on a qui tire, il a déjà des tirs à peu de chercheuse donc. C'est un peu con. Ouais, je suis pas allé jusqu'au sac. Très honnêtement, là, je suis plutôt intéressé par l'idée de faire 2 ou 3 Victory Lab dans la même vidéo. Si on y arrive, parce qu'on perd des items au fil de l'eau. C'est assez compliqué. On
retente un gel room. C'est mieux. On va prendre ça. Est-ce qu'on fait hush? Non. Ah. Ah, déjà, c'est fait le con. Joker. C'est nul, mais ça c'est pas mal. À droite. À droite. Y'a quoi là-dedans? Ah, on fait ça. C'était pas très intéressant. Ah, on se casse. D'accord. La pire salle possible par rapport à Mega Blast. Bon allez, on se casse. Sérieusement. On attend. Le jeu veut bien qu'on avance. Pas chiant du tout. Allez. Ouais, mon idée de faire cela en moins de 20 minutes, déjà je suis presque sûr que ça marchera pas. Et en plus, presque sûr qu'on va peut-être pas y arriver du tout en fait. Bon. Allez. Ah, le jeu qui attend quoi. Il y a encore une salle où on attend. Genre on a aucune difficulté à buter les trucs hein, c'est juste qu'on attend. Voilà. Phase suivante. Voilà. Allez, on a 1 minute et 3 secondes pour aller tuer The Lamb. Ça va être compliqué. Il est où? Il est probablement tout en bas. Hop. Allez, les animations de mort. C'est pas là. C'est par là avec un peu de chance. C'est par là. Salut. Ah c'est con, j'avais envie d'aller finir l'étage. Bon bah oui. Et on a débloqué une nouvelle pilule en finissant un Victory Lap. Ce qui veut dire, si je ne me trompe pas, que c'est ça qu'on a fait. Tic. Voilà. Et donc The Lamb en moins de 20 minutes, a priori ça ne marche pas. Voilà, on contrôle S, on revient sur le jeu, sinon c'est con. Et apparemment on n'a plus Black Candle, on a perdu plein d'items. On a perdu... On a perdu Brimstone. Et on a perdu Dunscap, ce qui est bien. On fait toujours un peu mal. Donc c'est bien, on a aussi battu donc Black Candle. Parmi ceux qui se voient... Hein. Ah bah non, Black Candle, c'était l'effet de... C'était l'effet de du Victory Lap de The Lamb. Bon. Du coup, on continue d'avancer. Je sais pas si on a toujours Godhead. On verra au prochain étage, malheureusement. En fait, je pourrais regarder là, hein, mais... Ah, on n'a pas beaucoup d'items, hein. C'est dingue. Le jeu est pas cool avec nous, il nous enlève nos items. Il nous vole nos items. Magasin, item room, et ça, c'est intéressant. On a toujours un petit vaisselle, mais c'est pas grave. Ok. Très très utile. Ah, la stat de chance par contre va exploser quoi. Yeah, c'est très con ce que je viens de faire, c'est pas grave. On va prendre ça parce que ça coûte pas cher. Et ça parce que ça coûte pas cher aussi. Et vous savez quoi? On va prendre ça aussi. Vu qu'on n'avait pas de deal à cet étage quoi qu'il arrive, c'était pas plus mal.
Hop. Parfait, parfait, parfait. Black Market? Non. Est-ce que je prends la peine de... Ouais. Allez. Le temps de dire la phrase, j'y suis allé, j'en suis revenu. Voilà. Oh, dommage. On a gâché la carte de Joker. C'est pas grave. Y'a rien de grave. Pognon. Boss. Normalement, on devrait quand même défoncer ça assez vite. Vu qu'on fait 16 de dégâts. Pas déconner non plus. Étage suivant. Je rappelle, il faut qu'on fasse 3 Victory Lab finis, je crois. Donc, commencer le 4ème. Pas gagné. Toi. Derkano, c'est bien. LG, Yera. Yera. C'est très con ce que je viens de faire. C'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais utiliser The Stars et revenir. Bon, c'est pas grave. J'ai fait de la merde. Bon, après, on a les moyens de faire de la merde sur ce run pour l'instant. Le prochain n'aura peut-être pas. Plus on les fait, les Victory Lab, plus ils sont difficiles. Mais. Par contre, là, clairement, je vais retourner chercher la deuxième activité. Quitte à rien avoir d'autre. Il vaut mieux avoir ça. Hop. Oh bah tiens. Direct. Et donc on n'a plus Godhead. C'est assez, c'est à peu près certain maintenant. Par contre on va choper Nine Lives. Et ça. Et c'est pas un bon plan ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. On est parti. On n'est pas Guppy toujours hein. Oh, quoi. Attends, on l'était pas au début et tout. C'est compliqué les Victoria. Ça perturbe ma tête. Ouch. On a toujours ce machin qui nous fait exploser de temps en temps, c'est pas très cool. Hop là. Et apparemment j'ai l'impression qu'on oublie les pilules d'un... Ah, ça j'aurais pas dû, c'était peut-être. J'ai l'impression qu'on oublie les pilules d'un lap à l'autre, d'un tour à l'autre. Ce qui est pas très grave, mais il faut le savoir quoi. Au passage, on a donc plus PhD non plus, parce que si on l'avait, les pilules seraient connues. Ouch. Est-ce qu'on prend des cœurs complets de dégâts maintenant, ou est-ce qu'on est repassé sur les 2000 cœurs? Je suis pas sûr. Je suis pas pressé de tester, mais bon, ça va arriver. Donc. et on a plus... Ah, on a plus Mega Blast hein. J'aimais bien l'idée de l'avoir. Ok, on prend des cœurs complets, mais bon, c'était une explosion, donc... c'est dur à dire. On va éviter de perdre trop de vie, quand même. Ok, non, on prend des cœurs complets tout le temps. Et ça, c'est clair, c'est clair. Salle secrète. Merci. Oh. The Tower, c'est nul. On va garder nos trinkets, ils sont bien. Et ouais. Hop. Pas utile. On va d'abord aller voir le boss et éventuellement le deal. C'est notre seule option. Il y a un moment, on va breakfast, hein, mais pour l'instant, on peut quand même continuer à tenter des trucs. Ouais, Box of Friends. Bof. Bof, bof, bof. Ça aussi, bof. Par contre, si on pouvait arriver sur le boss à un moment, ce serait sympa. Genre, là, ça fait un petit moment qu'on avance et on est dans quel étage? On est dans quelle zone? Et ça fait long quand même. Non. Non plus. Quand même. Ah. Bon, c'était pas la peine. Allez. Bonjour, Pip. Oh, je suis invulnérable. C'est dommage pour ta gueule. On a un deal. J'aurais pu l'hypopia cet item aussi au passage.
J'aurais peut-être dû diplopiage Jesus Juice. Ça donc fait le double de. Enfin, ça, donc fait... ça compte deux fois quoi. Donc. Ok. Ah. Je dirais qu'on a toujours Zodiac. Et que c'est pas très pratique. D'ailleurs. Mais que comme on a deux de vitesse de base, ça reste. En gros, ça veut dire que dès qu'on rentre dans la salle, on a vulnérable et on a Unicorn. On a l'effet de Unicorn Horn, pardon, qui. Ça peut être sympa. Ça nous rend aussi invulnérable que l'un dans l'autre. Voilà. On est déjà à 99 pognons. Donc si c'était pas des luck-up, je vais arrêter de les ramasser en bout. Voilà. Non. C'est très exactement l'inverse de Diplopia. On m'en veut pas. Bon, par contre, c'était pas du tout par là. Parfait. Salut, merci. The Devil, en place. Je préfère The Devil, c'est plus classe. C'est pas un lock-up. Ça pouvait même pas être là, mais bon, je suis allé quand même parce que je suis ici. Bah tiens, voilà. Maintenant on sait. Bah, toutes les salles, on va juste passer sur les mobs. Allez, ouvre-toi. Ok, il s'ouvre juste pas en fait, lui. Oh. Vous voyez ou... Là, je lui tirerai pas dessus, hein. Le machin, juste, il restait fermé, invulnérable. Et il fait bien sûr des dégâts de contact, hein, n'oublions pas. Ça sert à rien, mais c'est pas grave, c'est cadeau. Bien. Mouais. Regardez The Devil. Bien. Tac. Propre bombe. Super trop. Bien. Voilà, ça c'est fait. Tout le monde derrière. Non, c'est bon. Ça va super vite. On va pas reroll ça. Parce que c'est un bon item, bonus de dégâts. Donc on a peur trop sous le coude. On va savoir. C'est bien. C'est quand même 27 de dégâts, hein. C'est pas trop mal pour un run où on perd la moitié de nos items à chaque fois ou un truc comme ça. Bon, par contre, Zodiac nous donnait l'effet de charge, là, je sais plus comment ça s'appelle. Taurus. Il est plus là, enfin il est là mais il donne un autre effet, je sais pas lequel. Mais on s'en fout un peu en fait. L'important c'est que c'est un autre effet. Et voilà. Ok. C'est cadeau. Ouais, perfo, je vais clairement le garder pour un deal vous avez. Il y a peu de raisons de pas le faire. On charge vachement plus longtemps, mais triple shot ça nous rend très très potent, comme on dit. Et on n'a plus les cluster bombs, ce qui est une bonne idée. Ok, BFF, bon. C'est bien. On va prendre ça. C'est peut-être une mauvaise idée. Mais bon. Ouh, les gars, hein. Vous savez quoi, on va avancer juste. Faire du temps et on a déjà ce qu'il faut pour le run.
du moins jusqu'au prochain run, et comme on va perdre des items, c'est peut-être pas la peine de trop les accumuler maintenant. Faut que je me souvienne qu'on cherche très doucement. Le boss pourrait-il être par là, s'il vous plaît? Oui, le voilà. La galère, fantasme. Alors, qui c'est? Monstre 2, au revoir. Ouais, alors 27, 32 dégâts en triple shot. 3-3 quoi. Ça lui laisse peu de chance. Ok. Ah, mais toutes les pilules on les connaît pas en fait. Bien. On en a combien du chrono là? Devstou, 10 minutes. C'est pas mal. Oh, l'attracteur. Voilà, on va jeter un œil à l'arcade quand même. C'était pas la peine. Ok. Alors, Broken Stopwatch, des fois ça ralentit les ennemis, des fois ça fait rien, des fois ça les accélère. C'est un petit peu un risque de la prendre. Mais bon, des fois c'est rigolo. Non! Je voulais pas faire ça, il n'y avait aucun intérêt. Offre gris. Ouais, on a gagné deux bombes et Black Rune. Ah, cela dit, Black Rune, ça passe. Ça me donne encore un moyen de booster mes stats, moi. On a 5 cœurs jaunes, d'accord. On manquera pas de pognon dans ce run. Déjà qu'on est pratiquement à fond. Allez, boss et item room, c'est tout ce que je demande. Ouais, genre tout, quoi, en fait. Je demande tout, exact. Et je veux avoir tout. C'est d'être tout. C'est-à-dire que si j'y vais là, on perd l'item room. Ça m'embête un peu, mais bon. Allez, on va voir si elle est pas trop loin, genre là-haut. Ah, ouch, c'est bête. Ça a failli me faire mal. Ah bah tiens. Tout le monde ici. C'est juste un peu chargé parce que tous les adds qu'on a là, ils disparaissent quoi. Parce qu'on tue les ennemis trop vite. Vous savez quoi, ça c'est nul. Bonus de dégâts. Et de chance. Vous savez quoi? Hop. Je voulais pas faire ça, c'est pas grave. Bon. Mom, je sens que ça va bien se passer. Allez. What? Genre elle a pas attaqué sur moi. Enfin, pas au centre. Normalement elle attaque au centre en premier. Tout ça c'est nul. Le gars le mépris quoi. Il y a 4 items. Non, la merde. Je peux avoir les 4 plus 1, mais non, ce sont nuls, donc j'en veux pas. C'est vrai, en plus, c'est nul. Et merde. Le temps de charge avec Brimstone Triple Shot. C'est un sujet. Oula. Et voilà. Oh. Ouais, bof. On est à 80 ou 90 plus sur la plupart des. Enfin, du consommable à un moment. Il faut se poser les bonnes questions. Voilà, on est à 90 plus partout. Ça va pas descendre, ça va surtout monter. Voilà. C'est quoi ça? Ça se défend. Si on a un deal à la fin de l'étage, on peut faire ça pour avoir plus. Si on trouve le boss et que j'ai envie de revenir en arrière. Ouais, coffre pointu, ça a intérêt. On est full life, on a 9 vies. Franchement, c'est pour ça que j'aime pas trop les victory lap et que j'en fais jamais en général. Parce que c'est comment dire, long, ennuyeux. Je dirais à un moment, il y a deux options. Sur les premiers victory lap, on est ultra puissant, donc il n'y a aucun challenge, hein. C'est clair.
Et même en faisant n'importe quoi. Et sur les victory laps de la fin, bah on perd tellement d'items que ça fait du challenge, ça prend la poêle. Et les runs durent 3000 ans. Donc là je le fais pour le secret, mais après il y a des chances que je ne le fasse plus jamais. Sauf si je fais le fichier 3 un jour. Ça peut arriver. J'ai pas fini la salle. Oh merde. Il me semblait. Ok. Il est où le... Alors. Dagaz. Bah on est full life encore. Le boss pourrait-il se montrer? Il peut pas. On est 99 partout. Aïe. On a déjà vu le crawl. On a deux crawl, deux ouvertures du coup space dans l'étage. C'est un peu ridicule. Ouais, je sais pas si j'irai à la salle 5. Allez, vas-y. Algis et Père. Non, Père pour eux, Père. Bonjour, Death. D'accord. Donc, ça, on va peut-être pas le prendre. Ça. Je suis un peu con, j'aurais dû faire Diplopia avant. Mais c'est nul quand même. Donc voilà. Bon allez, vous savez quoi, je suis joueur. On va refaire cet étage. Juste parce que effectivement, avec un peu de chance, ça ira vite. Je suis optimiste. Allez. On prend les grandes salles direct, comme ça. Oh là, attends, chargement. Chargement de la Wheelstone. Si j'avais le plan d'étage, ce serait plus sympa. Malheureusement, je ne sais pas. Ok. On va avoir un truc bien dans ce. Non. Ouch. On est toujours full life, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on a quand même un bon run. Hein. Même quand on se prend un coup, on reste à fond. Allez, la mouche, merci. Oululu. Dommage. J'aurais bien aimé un TP sur... sur le deal, parce que là on est à 40%, c'est ça peut arriver. Voilà, on peut pas dire mieux que ça. Oui, Yera et une tarte dans la gueule. Yera perpo, c'est pas mal ça. Potentiellement, on peut faire des choses avec. Oula. Allez, si le boss pouvait être par là, ce serait tellement... Allez... Il est là. Magnifique. Donc... L'autre. Et on a un deal. Je vais prendre ça. Ok, donc... Regardez la strat cette fois. Cette fois, je suis pas complètement con. Je vais d'abord poser tout ce que j'ai au sol. Je vais ramasser les trucs qui servent à rien de multiplier, faut pas déconner. Je prends Yera, je l'active. Je fais Diplopia. Là j'ai 4 pieds d'esto et j'ai beaucoup de perfos. Donc on va prendre les trucs utiles. Genre l'œil de Bélial, c'est pas utile parce qu'on est avec. Comment ça s'appelle ? Azazel ? Ah, Mega Blast est revenu. Succubus, c'est bien. Voilà, donc on prend ça. Ensuite, Godhead, c'est pas si mal. On a quel étage? Bon, hein. C'est pas très utile en fait. C'est juste au prochain étage. War of Babylon, clairement. Ensuite, ça, parce que c'est un item de Gopi. Ensuite, Atame, non, on peut faire mieux. Un autre item de Gopi, c'est parfait. Et on est Gopi. Donc.
On va reprendre un job. Donc notre brimstone maintenant tire à une distance un peu plus intéressante. Et là, on a quand même milqué la sortie. Allez, ça m'en fout. Non, on s'en fout. On a quand même sorti 4 items de Deal with the Devil, utile, on est devenu Guppy, on a une grosse brimstone, et on a encore 2 perfos pour la route. Le seul défaut, c'est que je mets toujours 3 millions à charger mon tir, mais ça, on n'y peut rien. Ils sont où les méchants? Ils sont là. Zou. Voilà, je suis pas trop inquiet pour ce run là, ce Victory Lap là. Je veux dire, on est quand même plutôt bien pressé. On est full life. Parce qu'il le faut bien. Voilà, merci les mouches. On a des mouches qui font genre entre 40 et 80 dégâts selon où on se trouve. Donc peut-être même plus, je sais pas si j'ai. Je crois pas que j'ai pris Hive Mind. Ok. Et le boss est là. Bonjour et bon, au revoir, Riptide. Est-ce qu'on fait Hush? Ah, pour le plaisir. Je suis presque sûr que là ça ira bien. Magasin. Joker. Ah, ça aurait été. Ça, pourquoi pas. Ensuite, pack, 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 pack. Donc tout ça ne sert pas à grand chose, mais je l'absorbe. ces deux trucs sont carrément des mauvaises idées en fait. Et ça aussi. Ok, on va prendre Bombo. Et on va prendre ça pour rien. C'est nul. Est-ce qu'on cherche un prospect ou on y va, on cherche, on trouve pas. On va de l'autre côté, on cherche un peu plus. Ça, c'est pas. C'est nul. Bon allez, on va tuer H pour le plaisir. Ah, ça m'a déchargé mon item, mon tir forcément. Ouch. Full life. Oh, le temps de charge. C'est horrible. Voilà, on en remet une dose. La quantité de mouches qu'on génère est assez phénoménale. Je rappelle qu'on a triple shot, qu'on a bookworm des fois. Ça fait assez mal. Ici on est bien. En fait du coup chaque tir qui touche, à chaque tic où ça touche, ça déclenche la création de mouches de l'autre côté. Et comme Hush est une grosse cible, on le touche avec tous les tirs. Et il est presque mort. Il est pas encore mort. Ouais, là il est mort. Pas trop compliqué. Yera. Et on se casse. On a encore Sheol et la Darkroom à faire pour ce tour. Et ce sera le dernier de la vidéo. Il y en aura probablement encore un derrière ou deux peut-être parce que les. Je sais pas exactement les secrets pour le secret je sais pas s'il faut que je fasse 3 complets ou que je déclenche le troisième donc j'ai tellement mal géré cette salle. Je suis impressionné. On va essayer de pas mourir hein, parce qu'on a quand même pas un run où on peut se permettre de trouver. Oh pardon. C'était bizarre. Donc ouais, on peut pas se permettre de mourir ici. Je veux dire, on est totalement inarrêtable. Ce serait dommage. Oh bordel. Encore une salle où on a tout.
Là, c'est pas les ennemis qui sont spécialement dangereux. Hein. C'est même pas qu'on les one shot, c'est des fois on les tue sans les regarder. Genre à un moment. Ah, bien ça. Hop. Et si on a toujours un petit vaisselle, on aura des phases d'invulnérabilité cadeau. C'est très bien. On est aussi plein de mouches. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver le boss et de se casser d'ici. Non, pas de TP, c'est dommage. Allez les mouches, faites le boulot. Encore un. Et même un deuxième petit temps. Tac. Je fasse gaffe au coffre de... avec les pics quand même. On a Black Rune, Yera, et ça c'est de la merde. Donc on va rester sur ça. Ok. Merde, Bumbo. Allez, Bumbo. M'arrange. Ouais, je savais pas trop où je pouvais me mettre pour être à l'abri. Ouch. Allez, approchez-vous de moi, les gars. Je dispose d'une armée docile et simple. Ouais, ça vous meule la face au besoin. Non. C'est certainement pas Stem Cell, on n'a pas de cœur rouge. Et c'est. Non, je crois que ça donne un item quand on tue des ennemis, mais enfin, de toute façon, on n'a pas besoin de ça. Hop, dégage. On est full life, encore. Le boss pourrait-il. Bumbo. Voilà. Le boss pourrait-il apparaître? Non! Le boss pourrait-il apparaître dans la prochaine salle? Oh, certainement pas! Le voilà! Encore un coffre avec des pics. Voilà, on a gros Bumbo, c'est parfait. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, les gens. Voilà! Oh, il a eu le temps de tirer! Et moi, je suis invulnérable. Your turn! Voilà! Ah, j'ai pas vu ce que c'était cette rune. Bon. Peut-être Yera. Allez, je suis un foufou, on va faire puff. Ok, donc on va avoir beaucoup d'araignées. Parce que quand on duplique un coffre, on duplique le contenu qu'il a. Donc, si c'est un item, c'est d'autres items. Si c'est une bombe, c'est une bombe. Si c'est un coffre, des araignées, c'est des araignées. Et donc là, on a que des coffres à bombes sur la droite. Voilà, il y avait. C'était de la merde en fait. Voilà, hop hop. Ouh oh, oh, oh. On va prendre les deux, hein. On va se permettre. Voilà. Là. Oh, ça génère des trucs. Proptosis, très bien. C'est-à-dire que de près on fait plus mal que. Ah, c'est pas génial. Ça c'est pas très intéressant. Il nous faut The Lamb. Merci les mouches. The Lamb, où es-tu? Putain, le machin il doit se planquer dans sa grotte là. Sans venir le danger. Alors, moi aussi à sa place je serais inquiet là. Hein. Bonjour. Ah, ça survit. Agalaz. Bon ben. Bonjour. Yes. Butter. Ah. C'est un autre effet des Victory Lap. Alors on en a fait deux, donc je vais noter. Hop. Tac. Je suppose que c'est celui-là. Et après il faut qu'on finisse celui-là, peut-être même celui d'après. Mais l'autre effet des Victory Lab, c'est que là, on est The Lost. Je pense qu'on s'en sortira quand même. Mais ce sera pour la prochaine fois. Allez-y!